Welcome, the French friends. And just a second, I want to do this or some technical procedure. As always, all the technical things take some time. Here I am. So the ones who hadn't been here before will hear me saying a few words in English, and I will join on my screen. I'm screaming from doing all kinds of things. I will share on my screen the French version. So anybody who doesn't understand French will understand me. I really want to thank Sabine Pfeffer that I learned with her mother, who was a wonderful trainer. One of the best. I really miss her so much. She was such a mensch, you know, such a mensch. And I think I'm not the only one who misses her. I'm sure anybody who knows her miss her a lot. She was really, really. I have tears in my eyes just thinking about that. And I don't want to embarrass Sabine and make her cry too. So these are and I'm going to say my words, and Sabine will teach after me. Shai, תנהלי את מי מתקבל, נכנס לשיעור. My name is Tzipi Ganan, and as the chairperson of the Israeli Feldenkrais Guild, I'm happy to welcome you to the Feldenkrais Festival, celebrating 50 years in motion. The idea to have this festival came to us when we found in our archive an ad that Moshe advertised, listing the names of the 13 students who graduated the first training dated August 1971. As the Feldenkrais method began in Israel and prospered to be an international method with 10,000 of practitioners around the world, it was important to us to celebrate those 50 years with the international community. What are we going to have today, and what did we do up till now? We are going to listen to 6 lessons in 6 languages: Italian, German, French, Hebrew, Spanish, and English. All the lessons will be given by trainers who train practitioners around the world. Who will teach us and who has taught us already? Dr. Chava Shelhav and Eli Wadler are trainers and graduates of the first training. Eli just finished his German lesson. Chava will teach in Hebrew at 6 p.m. CET. Sabine Pfeffer is a trainer and is the daughter of Miriam Pfeffer, who was also a trainer and one of the graduates of the first training. She will teach us now in French. Isabella Torino and Marie-Loupe Campero are trainers who teach around the world. Marie-Loupe will teach at 7 p.m. CET in Spanish. Isabella taught the lesson in Italian at 3 p.m. CET. The lesson in English will be given by the master, Dr. Moshe Feldenkrais. The lesson is from Amherst Trainings. We thank the DC and the IFF for allowing us to use the lesson. All of the trainers teach around the world, spreading Moshe's method to whomever wants to learn. We thank them all for joining us, and we thank you all for celebrating with us. Last thanks is to my friend, Ori Ben Ezra, who worked with me on this project. See you tomorrow on our YouTube channel and Facebook page with the premiere of the interviews with Eli Wadler and Chava Shelhav. The interviews are translated to English from Hebrew. And I want to thank Rosa Virnik, who translated this thing into French. I thank you all for joining me, and I let Sabine do her work. Thank you, Sabine.
Thank you so much. Thank you so much, Tsipi. I'm very grateful. I know how much work it is and your devotion, so thank you so much. I will try to see everyone and put gallery here. So I see everyone. I know we have only an hour with me, but don't hesitate to interrupt me if you need or if you have any question or something is not clear. So would you please lie on your back? Sabine, jusque-là, j'arrive à comprendre, mais si tu continues à enseigner en anglais, j'arriverai pas. J'ai tellement l'habitude d'enseigner sur Zoom. Oui, j'ai bien compris. Merci, Agnès. OK, so I started teaching in English in continuation of you, Tsipi, and someone reminds me, please switch to French. So yes, thank you so much for the reminder. Alors, je remercie Tsipi Ganan pour sa dévotion et pour tout ce qu'elle a organisé et je sais combien de travail ça représente. Je dis allongez-vous sur le dos s'il vous plaît. Prenez un moment pour sentir si vous êtes couché confortablement. Il faut qu'on ferme tous les micros. Could you please, Israel, put on mute everyone? Because I hear people, some mics. Je demandais qu'on mette sur mute. Parce qu'on a entendu certaines personnes. Sentez si vous êtes confortable. On va faire déjà l'expérience pour sentir si on est confortable. Observez comment vous respirez. Observez et portez attention à où vous respirez. Renversez un tout petit peu la tête, éloignez un tout petit peu votre menton de la poitrine. Éloignez un peu votre menton du sternum. Et sentez comment vous respirez maintenant. Qu'est-ce qui change avec cette expérience? Et puis rapprochez un tout petit peu votre menton de la poitrine, de votre sternum, et restez avec vos têtes un tout petit peu plus rapprochées que votre habitude.
Et découvrez où vous respirez maintenant. Est-ce que votre sternum bouge? Est-ce qu'il y a un mouvement entre vos côtes? Dans le ventre? Et revenez au neutre. Ça veut dire ramener la tête de retour et trouver si vous êtes satisfait de là où vous posez votre tête. Portez attention à votre longueur. Sentez votre longueur. Portez attention à votre largeur. Quelle est l'expression de votre visage? Est-ce que quand vous êtes long, comme vous le sentez, large, comme vous le sentez? Comment est l'expression de votre visage? Sentez le volume de votre cage thoracique. Quelle est la distance entre votre sternum et le corps de vos vertèbres? Et évidemment qu'il n'est pas le même à différents endroits. Pliez vos jambes, posez les pieds au sol, s'il vous plaît. Et très lentement, levez la tête pour regarder entre vos jambes. Donc, guidez ce mouvement avec votre regard. Dirigez votre regard pour voir entre vos jambes. Et revenez plusieurs fois. Et découvrez quelle est l'image que vous avez de ce mouvement. Donc, évidemment, que fait la tête? Mais que fait le sternum? Que fait votre bassin? Et qu'est-ce qui appuie le sol derrière vous? Ok. Arrêtez, allongez les jambes et prenez une pause, s'il vous plaît.
Revenez, pliez les genoux, s'il vous plaît, posez vos pieds au sol, cherchez votre confort, trouvez l'écartement le plus adapté pour vous. Mettez une main derrière votre crâne, derrière la partie proéminente de votre crâne, et l'autre sur votre sternum. Et très lentement, vous allez maintenant lever la tête, regarder, diriger votre regard pour regarder entre vos jambes. Et en même temps, vous dirigez votre regard et vous dirigez votre sternum pour qu'il aille vers le bas et vers le sol et qu'il assiste ou il fait partie du mouvement de lever la tête. Aidez, suggérez votre sternum d'aider la tête pour qu'elle soit plus légère. Diminuez l'effort. Et reposez-vous, s'il vous plaît. Abaissez la main, les mains. Et prenez une pause, s'il vous plaît. Allongez les jambes. Pliez les jambes, s'il vous plaît, et entrecroisez vos doigts de main, mettez-les derrière la partie proéminente du crâne. Et très lentement, levez la tête pour regarder entre vos jambes. Sentez que tout le long de ce chemin, votre tête repose dans vos mains comme dans un hamac. Et à tout moment, votre tête est libre pour regarder un peu à droite, un peu à gauche. Et découvrez que fait le sternum, comment changent les appuis au sol. Lentement, lentement. La lenteur nous permet de sortir de notre mode utilitaire si habituel. Et abaissez les bras, abaissez les jambes. Et reposez-vous et prenez un moment pour sentir ce que ces quelques mouvements vous ont fait. Découvrez où vous respirez maintenant. Et très souvent dans les PCM et dans les IF, on commence par localiser certaines parties. Avant de les faire bouger, on prend connaissance avec leur forme, leur orientation, leur volume. Sentez votre sternum. Quelle est sa longueur? Est-ce que vous sentez le manubrium dans la partie haute qui s'attache avec les clavicules? Est-ce que vous sentez le corps un peu plus bas du sternum?
C'est qu'on a des échancrures qui reçoivent les cartilages des côtes. Est-ce qu'il a une épaisseur, un volume? Et puis, mettez une main sur votre sternum et imaginez que vous mettez de la peinture et vous choisissez la couleur que vous souhaitez et vous passez sur votre sternum comme si vous voulez le peindre sur sa longueur, sur sa largeur. Vous pouvez aller de droite à gauche, de haut en bas. Et découvrez les reliefs et la largeur du sternum. Est-ce qu'il y a des endroits qui ne sont pas clairs? Et tout en faisant ça, vous le peignez. Évidemment, vous glissez sur la peau, mais vous créez un contact avec l'os, avec le sternum, jusque vous pouvez de plus en plus sentir sa largeur. Et puis, enlevez votre main ou vous pouvez la remettre, l'enlever et continuez à peindre. Prenez un pinceau imaginaire et continuez à peindre votre sternum dans votre imagination. Et quand vous sentez qu'il n'y a pas assez de contenu qui est dans l'imagination, c'est un entraînement, on n'y arrive pas tout le temps. Ça se développe, vous remettez la main, vous peignez avec vos doigts, puis vous enlevez la main et vous peignez lentement le sternum avec la couleur de votre choix. Jusqu'il est entièrement peint, ou il y a des zones qui sont moins claires et que vous voulez prendre encore un peu de temps. Reposez-vous, s'il vous plaît. Vous allez faire l'expérience plus tard. On va repeindre le sternum. Moshe dit sur cette capacité de l'imagination absolument formidable qu'on a, que quand on imagine, on doit se déconnecter du verbal. We disconnect from wording, from words. Et donc, on va le faire, je vais vous le rappeler. Portez attention à ça, que quand vraiment on peint et on est dans l'imagination, le verbal est cété. Pliez les jambes, posez les pieds au sol, s'il vous plaît. Entrecroisez vos doigts de main de façon non habituelle. Mettez-les derrière la partie proéminente de votre crâne. Et très lentement, rapprochez vos coudes et levez la tête à l'aide de vos mains, guidée par votre regard qui va vers entre vos jambes.
et sentez ce sternum pain qui bouge, qui se meut en lien avec le mouvement. Et avant que vous sentez qu'il y a le moindre effort en levant la tête, ça veut dire évidemment avant que vous arriviez à la limite, vous levez la tête et regardez votre vision, puis à un certain moment, vous allez regarder vers la gauche de votre pied gauche. Mais pas tout de suite. Ça veut dire vous ne levez pas la tête du sol directement pour regarder à gauche de votre pied gauche, mais vous levez la tête pour regarder entre vos jambes et à un certain moment, vous commencez à faire une rotation, peut-être un peu une translation, ce que vous faites. Et vous regardez vers la gauche de votre pied gauche et vous revenez réversiblement. Et sentez quand vous commencez à regarder comme ça, pas tout de suite, pas tout de suite. D'abord, vous levez, votre regard se porte vers entre vos jambes, puis à un certain moment vers la gauche et sentez comment ça aide la tête à s'élever peut-être un peu plus. Le fait d'introduire cette rotation. Et reposez-vous un moment, allongez les jambes. Entrecroisez vos doigts de main, pliez les genoux, posez les pieds au sol. Cherchez votre confort. À chaque fois, c'est une invitation pour sentir. Et cherchez votre confort. Okay. Et à nouveau, changez maintenant. Vous allez lever la tête à l'aide des mains, regardez vers entre vos jambes et puis à un certain moment, vous allez tourner, mettre une rotation dans ce mouvement et aller regarder, votre regard vous guide vers la droite de votre pied droit. Et sentez comment ça aide le lever de la tête et revenez réversiblement. Sentez votre sternum. Est-ce qu'il est peint? Est-ce qu'il bouge dans l'espace? Et à chaque fois, vous revenez la tête vers le sol ou vous repartez nouveau. Vous repartez nouveau. Allongez les jambes. Et baissez la tête. Prenez une pause. Où est-ce qu'il y a un mouvement quand vous respirez? Quelle est maintenant la distance entre votre menton et le sternum? Quel est le volume de votre cage thoracique? Roulez pour vous mettre à plat ventre, s'il vous plaît. Et mettez une main sur l'autre et le front sur les mains. Prenez un moment pour sentir votre confort. Et où vous respirez.
Et très lentement, levez la tête pour regarder vers le sol devant vos mains, un peu vers le haut et vers le mur en face. Et revenez avec le front sur vos mains et sentez. Et qu'est-ce qui vient appuyer le sol? Est-ce que votre sternum vient appuyer le sol? Est-ce que votre ventre, votre nombril, votre pubis? Vers où votre sternum bouge maintenant? N'allez pas haut, n'allez pas très haut, n'allez pas très haut. Et puis, continuez ce même trait en regardant vers votre nombril. Et sentez que votre sternum s'éloigne, ou que fait, plutôt que je dise ce qu'il fait, je vais vous poser la question, que fait votre sternum? Que fait votre sternum? En lien avec votre regard, avec le mouvement de votre tête, est-ce que le regard est libre, votre bassin libre, votre respiration libre? Et faites plus petit, faites la moitié de ce que vous faites et juste créez ce lien entre votre regard, le mouvement de la tête, votre sternum, votre bassin. Et dans un sens, en regardant vers le nombril et en regardant vers l'avant, peut-être un peu vers le haut. Et sentez aussi vos vertèbres qui plongent, qui proéminent derrière. On a souvent, on n'a pas de dos, on n'a que de devant. Et reposez-vous, s'il vous plaît. Alors, pour ceux, je vois des personnes qui ont du mal à plat ventre, qui s'organisent. Toute cette leçon, vous pouvez la faire debout, mais aussi assis avec vos mains sur le dossier, assis à cheval ou assis à côté d'une table avec les mains sur la table, ou assis à cheval avec les mains sur le dossier de la chaise. C'est une leçon que ma mère a donnée, qu'elle appelait le sternum dans tous ses états. On n'aura pas le temps, c'était une très longue leçon. Je bouge un peu de sa leçon, mais elle a fait et assis, et en sphinx, et sur le côté. Roulez sur le dos et prenez une pause, s'il vous plaît. Sentez la longueur de votre sternum. Est-ce que vous avez un sternum ou vous êtes le sternum? Et quand le sternum bouge, sentez, il y a les attaches vers les côtes, vers la clavicule, vers les vertèbres, vers les apophyses latérales et le corps. Prenez votre petite brosse. Vous pouvez reprendre la même couleur, changer de couleur et peignez votre sternum par l'intérieur. Ça veut dire par l'arrière de votre sternum. Et
Découvrez si vous pouvez le peindre de droite à gauche ou de haut en bas, différemment. Et pendant que vous l'imaginez, prenez contact aussi. Qu'est-ce que ça fait avec le wording, la parole, le bavardage intérieur? Si vous sentez que vous perdez le lien et qu'au début, c'est le contenu de l'imagination n'est pas encore satisfaisant pour vous, vous arrêtez et puis vous renouvelez. Et sentez que lentement, vous pouvez, votre sternum est peint et devant et derrière. Prenez une pause. Revenez à plat ventre, s'il vous plaît. Changez vos mains, celles qui étaient en haut, mettez-la en dessous, le front sur vos mains. Et caressez avec votre front sur le bras gauche, vers le coude, pas loin. Et vous verrez qu'il y a certains qui bougent, qu'en les faisant, il y a les vertèbres cervicales qui s'émeuvent plus que d'autres, où la tête s'incline, qu'il y a une façon de faire. Mais faites-le qu'en même temps que vous caressez avec le front sur le bras gauche, votre sternum colore avec votre peinture, il colore un peu le sol. Ça veut dire que pour ceux qui bougent que dans les vertèbres cervicales, faites que votre cage thoracique bouge un peu, que votre sternum bouge, que vos côtes bougent, pas loin, pas fort. Mais comme si vous voulez tracer comme un petit cône comme ça au sol entre une partie de sternum et le haut, évidemment, et que ça crée comme un triangle. Et imaginez aussi le sol que vous peignez, votre sternum et le sol. Et reposez-vous, mettez vos têtes, enlevez les bras, comme ça vous repose. Et à nouveau, caressez un peu vers la gauche et restez avec votre front quelque part où vous pourriez rester longtemps sur l'avant-bras gauche, pas trop loin. Sentez votre sternum peint. Et là, regardez un peu vers le haut, en diagonale, en prolongement de là où votre tête se trouve. Et puis vers votre nombril, comme si vous suivez une petite bête à bon Dieu qui marche de la gauche un peu en diagonale vers votre nombril. N'allez pas loin, n'allez pas fort. Et sentez et clarifiez ce lien entre votre regard, votre tête, votre sternum, votre bassin, les vertèbres dorsales.
et roulez sur le dos et reposez-vous un moment. Revenez à plat ventre, s'il vous plaît, et inversez vos mains. Celles qui étaient en bas, mettez-la là-haut. Et peignez votre sternum à plat ventre, autant couché là, de l'intérieur vers l'extérieur, tout autour. Prenez votre pinceau, petit pinceau. Et puis caressez avec vos têtes. Maintenant, vers la droite et de retour, sentez la forme de votre sternum. Sentez comment il bouge d'orientation. C'est un os plat. Sentez que vous colorez le sol. Ou si votre sternum n'est pas en contact avec le sol, imaginez que la peinture, qu'il y a quelque chose qui se prolonge comme une éponge entre le sternum et le sol et que vous peignez le sol pour créer un lien avec l'espace, pas entre vous et l'espace et l'environnement. Et imaginez tous ces traits, quel est le tracé, c'est pas un tracé, c'est toute une area, toute une zone qui va être peinte. Reposez-vous un moment. Dans de nombreuses leçons, reposez-vous, posez la tête d'un côté ou de l'autre et prenez une pause. Dans de nombreuses leçons, Moshe crée des liens avec tout ce qui est spatial, pas juste à l'intérieur, mais autour aussi de nous, à l'extérieur. C'est développer l'intériorité et en lien avec l'environnement et l'extériorité. Et ce lien qui crée entre le contact avec le sol ou les cadrans ou la peinture qu'on peint au sol était très important. Ce lien spatial qui est lié à la relation avec autrui et avec beaucoup d'autres choses. Revenez le front sur les mains et caressez avec votre front vers la droite et restez là et faites un tout petit mouvement de diriger votre regard vers votre nombril et en diagonale vers le haut et la droite. Et juste pour enrichir ces liens entre regard, tête, sternum, vos côtes, votre colonne vertébrale et l'ensemble de vous-même. Et donc sentez le sternum qui s'éloigne, les yeux qui regardent vers le nombril, sentez ce qui se fait. Si c'est aisé, facile. Et roulez sur le dos et reposez-vous, s'il vous plaît.
sentez où vous posez vos têtes maintenant, la distance de votre menton à votre sternum. Pliez vos jambes et posez vos pieds au sol. Et juste levez vos têtes et regardez vers entre vos jambes, que vos yeux vous guident et qui organisent votre mobilisation et l'ensemble de vous-même. Et sentez votre sternum peint et son orientation et comment il bouge. Et regardez un tout petit peu vers la droite, en levant la tête, et vers la gauche. Et allongez les jambes et sentez comment vous êtes. Où vous respirez maintenant. Où est-ce que vos côtes, il y a un mouvement entre vos côtes, est-ce que votre sternum bouge, est-ce que le ventre bouge? Est-ce qu'il y a un mouvement aussi vers le bas, vers les poches pelviennes, peut-être plus aussi des côtés, derrière. Questionnez dans toutes les directions. Observez l'expression de votre visage. Et roulez par les côtés, mettez-vous debout s'il vous plaît. Sentez debout, comment est votre cage thoracique? Est-ce qu'elle est suspendue? Est-ce que vous sentez le poids de votre ventre? Est-ce que vous avez besoin de tenir votre cage thoracique? Quelle est votre longueur debout? Ok, alors merci. Il me reste quelques minutes rapides. On m'a demandé de dire quelques anecdotes, donc j'abrège un peu la fin. Alors, c'est vrai que ça m'a permis de replonger, relire. Je lis les lettres, les conférences, les lettres que ma mère a écrites. Des choses qu'elle a écrites, j'ai écouté des séminaires qu'elle a donnés, à beaucoup d'anecdotes. Alors, je devais faire un choix. Dans tout ce que j'ai entendu et j'ai lu et les conférences qu'elle a faites, elle a toujours commencé en rendant hommage à Moshe.
n'y avait pas une fois où elle n'a pas commencé une formation, terminé une formation, sans rendre hommage à Moshe. Et elle a toujours, je prends un exemple, tout d'abord, c'est quelque chose qui était présent toujours, elle écrivait tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Moshe Feenkreis, et lui exprimer ma gratitude sans borne. C'est grâce à... Pardon ? Il y a quelqu'un qui parle ? Non. C'est grâce à lui que nous sommes réunis ce soir, et par moments, elle disait... Est-ce que... Oui. Il y a quelqu'un qui parle. Faites mute, s'il vous plaît. Donc, je recommence. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Moshe Feenkreis et lui exprimer ma gratitude sans borne. C'est grâce à lui que nous sommes réunis ce soir. Et par moments, elle disait, grâce aussi au football, comme vous le savez, c'est en jouant au football qu'il s'est blessé au genou. Alors, elle dit, en conversant avec lui, j'ai pu comprendre sa vision du monde. Il m'a expliqué que nous vivons dans l'ombre des dernières inhumanités de l'humanité, la violence, les atrocités, qu'il était urgent qu'un changement intervienne. Un soir, où je dînais avec lui dans un restaurant chinois, il aimait la cuisine chinoise, il aimait beaucoup, il m'a confié qu'il aurait pu se marier, avoir des enfants, fonder une famille, mais que tout son temps et toute son énergie avaient été consacrés à développer sa méthode. Je lui ai demandé s'il avait des regrets. « Pas du tout », m'a-t-il répondu. Il y a assez d'enfants dans ce monde, le plus important est de devenir plus humain afin que ces enfants puissent avoir un futur et assurer ainsi la survie de notre espèce. Et il a dédié toute sa vie à la méthode. J'ai trouvé une lettre où il écrit à ma mère en disant qu'il avait les problèmes des yeux, qu'il doit avoir des médecins, qu'il y a l'opération, il devait venir à Paris. Et il dit à ma mère, mais je vais laisser tout ça parce que je ne peux pas abandonner l'œuvre, c'est à quoi ma vie est dédiée. Et il arrive quand même à Paris. Alors ma mère parlait souvent du privilège de faire partie de cette première formation en 1969 et combien les mains de Moshe. Elle disait toujours « ma compagne encore ». Elle disait « il m'accompagne, ses mains m'accompagnent ». Elle avait, Moshe, je pense nous tous, la conviction que ce travail allait contribuer, représenter un espoir et pour l'humanité. Je pense que mon premier élan pour faire la formation avant, j'ai connu Moshe, mais pas avec profondeur comme dans la formation, était justement cette conviction de ma mère de si on sent, si on s'est gradué, si on a du discernement, que le monde sera plus humain. Et j'ai encore une minute pour partager avec vous. Et Chava, you will be happy. Maybe you have these pictures. Je vais voir si j'arrive à partager de leur première formation. Partager l'écran, tableau blanc. Ah oui, je dois d'abord cliquer. Si j'arrive à partager l'écran, hop, tableau blanc, j'arrive pas, j'ai la main. Do I have the hand to split my computer? Do you have what? You need to be co-host, Sabine. You need to be co-host first. I am co-host. Yeah. So share screen. I am co-host and partager l'écran. Wait. You want to share? Do you have here my computer? You want me to share the photos you sent? Do you see the photos? I don't see your photo. We don't see it. No. Okay. So because I. Okay, so some photos you could have from the first, can you share it? Because I think they are nice. Chava,
pardon, je parle en anglais. Chava sera contente de se voir dans ces photos. C'est Moshe qui donne une IF à ma mère. Sabine, ani lo, ani achshav patachti, ani eifo at osa edeshu, where do you do a share screen? So Tzip is going to share it for me. I sent four photos where, of course, you are there, where Moshe gives an FI to my mother. Yes. And you'll see you there. Oh, great. I would love to just see it. I'm opening my email box. Just a second. Here it is. And I think the photos were taken by Eli Vadler. I think he told me so. So I don't know. Because you have them? So he told me so that he took these photos. Just a second, I'll share it with you. I think we can see there, Yohanan. I don't see any share screen. Chava. Yes, okay. Wait. So I see Yohanan and Moshe. Okay. And that's Chava. I don't know who's that. So there is Alon Talmi, Yochanan, and my mother is lying on the table. And there is Fanny Lotz. There is Fanny Lotz is not there. Here is Fanny Lotz. Ah, in the fourth one. Yes. One, I think she is Fanny Lotz. This is no, Fanny that's Lotz, not yeah. Fanny Lotz. That's Batya or it's Batya. You're right. It's Batya. And my mother, they're standing. Your mother is standing. Yes. I send you four photos. Anyway. Okay. I have more. I have few more. Anyway. So it's nice to see. Chava, do you know those pictures? Sure, I have them. Okay. I have them. Yes. Okay, donc Chava dit qu'elle a ses photos, mais on voit Moshe avec les personnes de 13 pendant qu'il donne une leçon à ma mère. Il y a une anecdote que ma mère racontait, c'est que Moshe s'endormait très souvent sur la table pendant qu'il donnait les leçons. Et il s'endormait facilement. Et pendant qu'elle lui donnait la leçon, il se réveillait en disant tu serres ta langue dans ta bouche. Et donc, il était très, très attentif et avec un discernement fin de l'organisation des personnes qui lui donnaient les IF, même en dormant. Ok, bon, écoutez, merci. Ok, it was wonderful, Sabine, to see you. Merci. Many years I didn't see you. Okay. That's right, c'est vrai. Je dis merci à Tzipi, à la Guilde israélienne, à Ori Ezra qui a aidé, à Ruti Bar, à Lior, à l'Erotab et Julia Kirchner qui a fait circuler l'annonce à l'association Fennekreis qui a circulé l'annonce et à Stéphanie Menassé qui a fait le rappel, encore un rappel sur le forum. Et merci à vous tous et à très bientôt. Merci. Okay, thank you, Sabine. I just want to say really thank you because I know you were during your annual vacation and you came all the way from wherever you had vacate. You came 5 hours by train to give us the lesson. So it's really not a common thing. And we really do appreciate it. And because I'm sure you have all kinds of things to say about your mother that you'll want the Israeli people to understand too, maybe we'll have a Zoom meeting with you and you can share it with us. So thanks a lot, Sabine. Thank you on behalf of all of us. Merci pour tout le monde. Mille merci. Soyez and, bien. Thanks to all the French people who joined us. And now we'll move to Hebrew.